Donc, quelle est la différence que tu fais entre quelqu'un qui se bat, qui achète un produit et qui revend, et quelqu'un qui est vraiment entrepreneur? Alors, la différence, c'est laquelle? Pour bien expliquer la différence, je vais prendre trois profils. Je vais prendre le manager, le businessman et l'entrepreneur. Le manager, c'est qui? Le manager ou encore le chef d'entreprise, c'est l'employé le plus haut gradé d'une entreprise. C'est la bonne expression pour définir ça. C'est l'employé le plus haut gradé. Je prends peut-être un exemple. Au Cameroun, nous avons par exemple des entreprises d'État. Il y a une entreprise qui va par exemple faire dans l'énergie, il y a une autre entreprise qui va peut-être faire dans l'agroalimentaire ou alors dans n'importe quel autre secteur d'activité. Ça peut être public, ça peut être parapublic ou ça peut être privé. Dans ces entreprises ou dans toute entreprise, il y a toujours un directeur général. Alors, le directeur général, c'est un manager. Donc, c'est l'employé le plus haut gradé. C'est celui-là qui coiffe tous les autres employés, qui coordonne l'activité, qui se rassure que les objectifs doivent être atteints, qui peut développer aussi une stratégie, mais en fait, il rend compte aux vrais propriétaires de l'entreprise qui sont les investisseurs. C'est vrai qu'un directeur général peut aussi être investisseur de l'entreprise en question, c'est possible, mais dans la plupart des cas, c'est l'employé le plus haut gradé. Donc, c'est le manager en réalité. Et en général, le salaire des employés ne dépend pas de lui, en général. Quand je dis que ça ne dépend pas de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, c'est un salarié. Dès que Tout à fait. l'entreprise produit des services ou alors met à la disposition du marché certains produits qui sont vendus et qui génèrent une certaine rentabilité. Et de cela, il y a une partie qui lui revient comme son salaire, il y a une partie qui revient à tous les autres. Et puis le reste va au niveau des investisseurs ou alors des actionnaires, tout simplement. La deuxième catégorie, ce sont les businessmen. C'est quoi un businessman? Le businessman, c'est celui-là qui se dit, voilà. Actuellement, il y a un nouveau confinement en Europe, dans certains pays. En France, il y a le confinement, en Belgique, il y a le confinement, etc. Et quand les gens sont confinés, il y a certains besoins qui augmentent. Je prends peut-être un exemple. Il y a le besoin de sexualité qui va augmenter. Et il faut que j'exploite cette opportunité parce qu'il y a une étude qui a montré que pendant le confinement, il y a certains produits utilisés pour la sexualité dont le chiffre d'affaires explose, comme par exemple les sextoys. Il y a une étude qui a montré en France que pendant le premier confinement, le chiffre d'affaires des sextoys s'est multiplié pratiquement par 20. Ah Donc ouais, le quand même. businessman va dire quoi? Il va se dire, OK, je vais acheter les sextoys, je vais créer peut-être une page sur un réseau social et je vais commencer à vendre les sextoys. Ça, c'est le businessman. Il vend les sextoys, il vend, il vend. En vendant les sextoys, il se rend compte que les clients des sextoys veulent aussi les lubrifiants. Il dit, wow, vous savez que le lubrifiant aussi peut marcher. Il achète les lubrifiants, il ajoute. Il commence à vendre aussi les lubrifiants. Après, il se rend compte que, mais attends, il y a aussi des gars qui veulent les call girls. C'est vrai qu'elle va venir avec le masque, les gants et tout, mais bon, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Il cherche les call girls, il met à leur disposition, il prend ses commissions. Ça, c'est le businessman. Quand le confinement va finir et qu'il va se rendre compte que bien les sextoys ne fonctionnent plus comme avant, il n'arrive plus à générer le chiffre d'affaires qu'il faisait, il va laisser ça. Il va essayer de chercher, ouais, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais me lancer un peu dans le transit. Peut-être le transit peut rapporter de l'argent. Donc en fait, le businessman, c'est celui-là qui est à la recherche permanente d'une opportunité qui pourrait lui permettre de gagner de l'argent à court, à moyen ou à long terme. Parfois, il peut même créer une entreprise uniquement dans le but de saisir l'opportunité et après, il laisse cette entreprise couler. Ça veut dire qu'il peut D'accord. voir un marché public là, il se dit, waouh, je peux gagner le marché ici. Sauf que l'une des conditions pour gagner ce marché, c'est que je dois avoir une entreprise légalisée. Donc, il va rapidement créer son entreprise, il va faire tous les papiers. Ensuite, il va soumissionner le marché en disant que oui, mon entreprise s'appelle Tang. Il va gagner le marché. Dès qu'il aura fini le marché, il aura sa marge. Il va abandonner l'entreprise, déclarer que l'entreprise a fait faillite et que ça ne fonctionne plus. Ça, c'est le businessman. L'argent qu'il a gagné, il pourra aller investir dans un autre domaine avec. Ou il peut même investir dans plusieurs domaines en attendant juste que l'argent vienne. L'entrepreneur, c'est qui? L'entrepreneur, c'est celui-là qui se dit, en Afrique, les jeunes ne veulent plus lire. En Afrique,
il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des connaissances qui sont dans des livres qui pourraient débloquer les chaînes qu'ils ont dans leur cerveau. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance de léguer son savoir, de léguer son expérience pour que les générations futures puissent en profiter afin de pouvoir aller plus vite et faire mieux que nous. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre sur pied un projet qui va permettre aux générations futures de comprendre les enjeux de l'écriture, de la lecture et pour pouvoir laisser un patrimoine après moi. Et ça donne dans une entreprise qui s'appelle Argent Livre 237. Argent Livre 237, pour débuter, va commencer par identifier les auteurs africains, de mettre en valeur leurs livres à travers des contenus qui peuvent être vidéo, qui peuvent être écrits ou même qui peuvent être subliminaux. Ça, c'est dans un premier temps, pour pouvoir associer à la lecture un côté ludique. Parce que les gens ont associé à la lecture le côté scientifique, le côté rationnel, le côté c'est difficile, il faut prendre du temps pour lire, c'est plié. Ouais. Du coup, quand quelqu'un entend qu'il va lire, ça l'énerve. Donc du coup, si tu peux faire le résumé d'un livre en vidéo, si tu peux parler du contenu d'un livre en racontant une histoire et en sortant la leçon à la fin, ça devient plus ludique. Les gens se disent, mais attends, mais ce que le gars a dit est pertinent. Hein? Et il te dit que c'est l'extrait d'un livre ou encore, il y a des choses encore plus intéressantes. Donc, de manière ludique, ça pousse les gens à lire. Quand les gens commencent à lire, ils comprennent qu'en fait, ceux qui ont écrit ces livres-ci avaient une expérience et ont décidé de léguer ce patrimoine. Ça pousse aussi les gens à écrire. C'est pour ça que de plus en plus, les gens écrivent. Ils se disent, non, moi aussi, j'ai quelque chose à partager. Même ton histoire amoureuse, c'est quelque chose de pertinent à partager. Donc, les gens commencent à écrire, les gens commencent à lire, les gens commencent à s'intéresser à la lecture, à l'écriture. Et c'est donc un patrimoine que tu es en train de léguer parce qu'après, tu pourrais décider de créer une fondation, tu pourrais décider de créer une maison d'édition, tu pourrais décider de créer des environnements où les gens pourraient venir lire dans un environnement hyper ludique et tellement beau, magnifique, rencontrer d'autres personnes, partager leur expérience. Et c'est donc ça qu'on appelle un entrepreneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a identifié un problème dont il a envie de résoudre cela avec une solution sur le très long terme, dans le but de léguer un patrimoine. C'est ça l'entrepreneur. Donc, on peut commencer businessman et finir entrepreneur. On peut commencer chef d'entreprise et finir entrepreneur. On peut même directement commencer entrepreneur avec la vision qu'on a. Mais tant qu'on n'a pas une idéologie, tant qu'on n'a pas une vision sur le long terme, tant qu'on n'a pas un patrimoine qu'on souhaite léguer, et qu'on est en train de développer une équipe qui doit pouvoir adhérer à cette idéologie et faire en sorte qu'elle perdure dans le temps, on ne peut pas dire que tu es un entrepreneur. Maintenant, après avoir dit ça, ça c'est ma définition. Je ne l'impose pas à quelqu'un. À parce que chacun peut dire qu'il est entrepreneur, chacun peut créer sa page Facebook demain, ou sa page Ticalo, et dire non, moi je suis CEO, faire ses cartes de visite, et mettre la directeur général de chez moi. Mais ce que j'aime souvent dire, c'est qu'en entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le darwinisme. Le darwinisme, c'est quoi? C'est que l'environnement est tellement difficile. C'est tellement compétitif. Il y a tellement de contingences externes. Il y a tellement de coups bas, de trahisons, de challenges violents qu'il n'y a que les plus puissants et les personnes excellentes qui détiennent un réseau qui vont s'en sortir. Donc moi, j'aime même que quelqu'un dise qu'il est CEO. C'est bien. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. Voilà. La nature va rétablir l'équilibre de comment les choses vont se faire naturellement. Stop, ma personne. Ne t'en va pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'écouter Claudel Mubisi, si jamais tu es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique, je te conseille vivement son livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain. En termes de business, ce livre te donne des stratégies qui sont justes. Énorme. Et si jamais tu souhaites le procurer, soit tu donnes rendez-vous sur mon site internet argentlivre.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut, à gauche ou à droite ou en description et puis tu pourras entrer en possession de ce bijou de livre. Allez ensemble.